Voici le prix. Fontaine de chocolat. Et voici les marqueurs spéciaux. Pas de main. Je vois que vous êtes prêtes, les filles. Alors, c'est parti. Il faut qu'on enlève les surligneurs avec ses dents. Oh, ce n'est pas une tâche facile. Oui, ça a marché. Oh oui, je savais qu'il faut juste bien faire des efforts. Oh waouh, les filles ont presque tout dessiné. Il faut se dépêcher. Oh, j'ai le meilleur dessin, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Comme c'est dur. Mais je sais vraiment. Oh non, ça ne marche pas du tout. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais essayer de dessiner comme ça. Ouais, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je fasse ça aussi. Oh, je tombe. Monica, c'est tellement drôle. Non, mais il n'y a rien de drôle à ça. Oh, je vais vous montrer. Ouais, je sais. Je vais prendre une plume. Et je vais faire comme ça. Ah, ah, ah. Oh non, mon dessin. Oui, bon, moi, c'est rien. En fait, c'est pas drôle du tout. Tiens ça. Non, ce sont les babes. Non, pas ça, s'il te plaît. Oh, t'as gâché mon chef-d'œuvre aussi. Et tu vas voir. Alors, Lippy, non, vous n'avez plus de temps à montrer vos dessins. Oui, bien sûr. Voilà mon dessin. Oui, oui mais bon... Non, en fait, je pense pas que c'est bien. Ça, c'est encore pire. Monica, ouais, ton dessin est le meilleur. Félicitations avec la victoire. Waouh! Oui, j'adore une fontaine de chocolat. Il est tellement délicieux. Tu penses à la même chose que moi? Ouais. Moi aussi, on veut du chocolat. Oh, c'est super bon, c'est vrai. Oh, quoi, il y en a plus. Bon, les filles. Oh, quel joli petit chien. Du caca? Oh, vous êtes prêtes? Alors, on commence. C'est parti. Oui, je pense pas que je veux vraiment dessiner ça. Oh oui, j'arrive vraiment. Alors, je commence. Oh, j'ai une idée. Oui, vraiment, ça pue. Mais cette fois-ci, je vais dessiner avec mes orteils. Oh, non, je peux pas respirer. Alors, je prends un feutre et je commence. Et moi, je vais dessiner avec mes coudes. Ça, c'est plus pratique. J'enlève le bouchon et je commence. Oups. Non, mais mon feutre. Faut que j'en prenne l'autre. Oh non, comment ça? Oh, allez. Monica a tout dessiné. Les filles, vous n'avez plus le temps. Je veux dire, non, pas très bien. Monica, t'as du talent. Bravo. Oups, je suis où? Oh, le dessin, c'est vrai. Voilà, il est là. Oh, pas mal. Et tiens, c'est le caca pour toi. Oh non. Mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment du caca? C'est horrible tout cela. Bon... Il faut que je goûte quand même. Mais c'est délicieux. Oui, non, mais je peux même pas regarder ça. Les filles, c'est super bon. C'est du chocolat. Tu vas te lécher les doigts. Vous voulez un morceau? Tiens. Attendez. D'accord, j'en aurai plus. Et maintenant, vous avez une nouvelle tâche. Dessiner un poisson. Et vous allez le dessiner avec des sas. Oh, en fait, c'est très bon en plus. Alors, les filles, bonne chance. C'est parti. Let's go. Je vais d'abord ouvrir la sauce au fromage. Oui, combien pour la couleur jaune? Et maintenant, le rouge, le vert, le blanc. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu peux faire plus attention.
Oh, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Alors, je vais enlever tout ça et je vais commencer à dessiner. Je vais commencer par le ketchup. Regardez, quelle couleur riche! Et quelle texture! Yes! Oui, juste ce qu'il faut. Je pense que la sauce wasabi est parfaite pour mon poisson. Alors, je commence. Oh, il n'y a pas beaucoup de peinture. Je vais prendre une autre couleur. D'accord, rouge, ça me va aussi. Maintenant, je vais ajouter des détails. Maintenant, cette couleur, et encore. Oh, génial! Oh, j'adore ce poisson. Et moi, je n'ai rien du tout. Oh, je sais quoi faire. Pour accélérer le processus, j'utilise mes 5 doigts. Oh, ça sent si bon. Oh, je vais goûter. Mmh, c'est génial. Oh, vous savez quoi? Ça ne va pas du tout. C'est très bon. Oh oui, j'adore la sauce au fromage. Et avec le ketchup, c'est encore mieux. Génial. Oh non! Mon dessin est foiré! Le temps est collé. Montrez vos dessins. Cool. Très bien. Ça, c'est mauvais. Je pense que tu comprends. Hey, pourquoi t'as rien dessiné? Non, mais... Alors, tiens, le poisson pourri pour toi. Oh, n'importe quoi. Je déteste l'odeur. C'est horrible. Bon appétit. Are you ready? Et moi, j'ai une idée. Hein? Je vais le faire frire. Oh, je pense qu'il y a trop de feu. Oh, maintenant, c'est mieux. Bon, d'accord. Je vais chauffer le poisson. Pépé. Alors, maintenant j'ai goûté. Oh oui, ça a l'air vraiment génial. J'adore. Regardez tout cela. Oh, j'adore ce chaton. Alors, je vais dessiner le chaton sur ma tête. C'est parti. Miaou. Ok. Oh, j'adore les chatons. Alors, le nez est prêt. Maintenant, je vais ajouter une moustache de chat. Oh. Et les petites oreilles. Oh. Je suis sûre que je vais faire un joli chaton. 5 secondes et tout est prêt. Oh, je vais mettre du eyeliner. Ensuite, je vais dessiner le museau. Ouais, je suis une pro. Quoi? Non, mais regarde. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais regarde là. Elle arrive très bien. Si elle est un chat, alors on va lui faire peur avec de l'eau. Non, mais arrêtez! Non, mon maquillage s'est foutu, c'est pas juste! Mais c'est très amusant! Oh, j'ai une idée! Lily, t'as un vraiment très mauvais maquillage! Laisse-moi t'aider! C'est par là, c'est par là! Et voilà, c'est fait! Oh, un vrai chaton! Ils sont mes lunettes! Ah, merci beaucoup. Alors, vous n'avez plus de temps. Alors, montrez vos dessins. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut pas que tu regardes ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? T'es une pirate? Quoi? Pirate? Oh, Monica. Quoi? Monica, ouais. Bravo, je pense que t'as gagné. Ce chaton est à toi. Oh, viens me voir, mon petit. Oh non, je crois que j'ai allergique au chat. T'inquiète, Monica. On va s'occuper de lui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux ouvrir la première, s'il vous plaît? Oh, qu'est-ce que c'est génial! Je vais essayer tout de suite. Oh, il y a des nouilles à l'intérieur. Trop bien! Je vais essayer tout de suite en roulant un peu plus les baguettes. Oh, c'est délicieux, les filles. Les
délice incroyablement bon. Je suis prête à manger toutes ces nouilles toute seule. C'était vraiment très bon. Et quoi, les filles, vous attendez quoi pour ouvrir le vôtre? Allez, au suivant. Voyons voir ce qui m'attend. Quoi? De la sauce piquante Tabasco? Pourquoi je n'ai pas eu quelque chose de délicieux, moi? Bon, essayons juste une goutte. Oh, ça brûle! Oh, merci, les filles, vous m'avez aidée. Maintenant, c'est au tour de Chris. Hourra! Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une boule de neige! Intéressant! Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oh, tout gèle autour! Je n'en veux pas non plus! Oh, cette boule de neige est pour moi? Super! Elle est si belle! Oh non, que se passe-t-il? Non, elle gèle! Je l'ai cassée! Pourquoi fait-il aussi froid? Oh, mais quel cauchemar, les filles! Les filles sont gelées! Il faut résoudre d'une manière ou d'une autre! Bien sûr! Je vais boire plus de Tabasco, alors je pourrai certainement dégeler mes amis! Oh, le feu arrive! Ça brûle tellement! Bon, Chris va fondre! Et maintenant, Annie! Maintenant, aidez-moi! Aidez-moi! Oh, j'ai une idée! Je vais essorer mes cheveux et mettre de l'eau! Voilà! S'il te plaît! C'est fait! Merci, les filles! Que ferais-je sans vous? Maintenant, c'est à mon tour d'ouvrir le coffre. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? De l'oignon? Mais quelle horreur! Bon, il n'y a rien à faire. Il va bien falloir le manger. Oh, je déteste ça. C'est horrible. Je crois que je vais pleurer. Bon, allez, il faut que je me dépêche de le manger. Oh, désolée, ça sent pas la rose, hein. Mais vous m'avez forcé à manger tout l'oignon. Nous allons régler ce problème. Reste tranquille. Maintenant, je vais voir ce qu'il y a dans mon coffre-fort. Qu'est-ce que je vais avoir? Waouh, c'est un gâteau! Il est si beau et si appétissant! Je le coupe. Une grosse part pour moi. J'ai hâte de goûter! Oh, c'est vraiment bon! Incroyable! Eh bien, ne va pas partager avec nous! Laisse-moi ouvrir le coffre-fort! Oh, j'ai eu une bouteille étrange! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ressemble à une belle poudre dorée. Waouh! Tout devient flou! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Ah, mais c'est de la poudre soporifique! Compris, Chris s'est endormi. Réveille-toi, la dormeuse! Allez, elle dort comme un loir! Oh, j'ai une idée! Je vais la réveiller avec ma mauvaise odeur! Réveille-toi, Chris! Quoi? Où suis-je? Ça sent vraiment mauvais! De rien, c'est de la poudre soporifique! Allons endormir, Annie! Parfait! Elle va sûrement prendre la rose et vouloir la sentir! Annie, c'est pour toi! Vraiment? Pour moi? Mais si, les filles! Oh, ça sent si bon! Oh, je somnole! C'est fait! Lève-toi et nous prendrons le gâteau! Oups! Mais l'essentiel, c'est que le gâteau soit avec nous! Les filles, ça vous dérange si j'ouvre en premier? Hourra! J'ai tellement hâte de voir ce que j'ai! Oh! C'est quelque chose d'étrange! Ça ressemble à une sorte de chaudron! Bon, on verra plus tard! Alors, Karima, on va voir! Waouh! J'ai un énorme Kinder! C'est tellement cool! Ça a l'air vraiment génial! Et c'est incroyablement bon! Je ne veux pas partager avec vous! Oh! Il y a même un jouet à l'intérieur! C'est trop cool! Quoi? Un ours en peluche? Annie, prends-le! Je préfère le chocolat au stupide peluche! L'ours peut rester ici! Oh là là! Quelque chose se passe! Waouh! Maintenant, c'est un ours en guimauve! Oh, c'est tellement délicieux! Les filles au chandron a fait de la nourriture en guimauve! C'est tellement cool! Je pense qu'il est temps d'ouvrir le coffre-fort de Chris! Je suis tellement curieuse! Quoi? Du fromage bleu? Il sent tellement mauvais! C'est horrible! Et comment je suis censée le manger? Il est tellement dégoûtant! Berk! Je ne peux pas! Annie, est-ce que je pourrais emprunter ton chaudron? Oh, merci, tu es la meilleure! Mettons le fromage dans le chaudron! Waouh! Et je vais sortir un morceau de gâteau! Génial, j'adore ça! Délicieux! Oh, je ne peux pas m'arrêter de le manger! C'est trop bon! Non, les filles, ne me filmez pas! Mais pourquoi? Alors je prends ton téléphone! Oh non! Mon téléphone est devenu un téléphone en chocolat! Cela va certainement recueillir des millions de likes! Il y avait une vidéo légendaire avec des millions de vues dessus! Bon, qui veut ouvrir maintenant? Chris, ne regarde pas! Tu ferais mieux d'ouvrir ton coffre! D'accord, qu'est-ce que j'ai? Oh, des citrons! Mais quelle horreur! Je ne veux pas manger cette chose acide!
Burke, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Vous trouvez ça drôle de me voir faire la grimace? Bon, allez, ça suffit de se moquer de moi maintenant. On ferait mieux de regarder ce que Emma a dans son coffre. Pas de problème, regardons. Waouh, j'ai un milkshake incroyable, ça a l'air somptueux. Il a l'air tellement délicieux. Pourquoi vous êtes ici? Partez! Ce milkshake ne suffira pas pour nous trois. Bon, allez, je vais ouvrir mon coffre. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ce sont des montres anciennes. Bon, voyons voir. Que se passe-t-il si j'appuie sur ce bouton? Oh! Les filles sont bloquées. J'ai arrêté le temps. Génial! Oh, regardez ce que je fais. Je vais boire son cocktail pendant qu'elle est figée. C'est tellement bon. Et elle, elle va manger ses citrons. Allez, hop! Et je vais aussi leur mettre du maquillage. Allez, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Un petit clown, c'est génial. Je crois que ça va leur plaire. Je vais remettre le temps maintenant. Emma, as-tu vu ton visage? Il est tellement drôle. Quoi? Qui m'a fait ça? Hé, Annie, c'est sûrement toi. Je suis super contrariée maintenant. Oh, ça te va vraiment bien. Allez, tu peux aller à l'école comme ça. Waouh, les filles, je n'ai jamais vu autant de bonbons gélifiés. Dommage qu'Emma ait obtenu un seul bonbon gélifié, elle. Ne sois pas déçue, je suis sûre qu'il sera le plus délicieux de tous. Arrête de rire, toi, la geek. Tiens ça. Et quoi? On n'a pas le droit de rire ici? Oh, il faut donner une leçon à Emma. Exactement. J'ai une idée pour une super blague. On va juste se maquiller un peu, mettre un peu de ketchup sur son œil et un bonbon gélifié et les autres penseront que c'est réel. Emma, j'ai un petit problème. Oh non! Mon œil a sauté, que faire? Quel cauchemar, c'est ton œil, vraiment? Retire-le, retire-le! J'ai une méthode infaillible. On me l'a apprise lors des cours de secourisme. Hourra, ça a marché. Comment tu te sens? Mes bonbons préférés. Ils sont tellement sucrés que je pourrais les manger pendant des jours. Et c'est quoi ça? Oh mon Dieu, un œil! Oh là là, les filles, c'était amusant, mais Lily aurait pu se blesser. Ne faites plus de farce comme ça. Emma, mange rapidement ton œil en bonbon. Il est délicieux. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. Qui est le suivant? Lily? Pas de problème. J'ai même 10 yeux en bonbon, moi. Je me demande combien je peux en mettre dans ma bouche. Waouh, ils sortent tous. Il ne reste que le dernier. Comment je fais avec un œil rouge ouvert? Ah, j'ai tout mangé. Phoebe, tu peux commencer. Enfin, on m'attendait déjà pour 100 yeux en bonbon. Quelle délicatesse. Désolée, je les ai tous mangés. Et ça, c'est quoi? D'où viennent ces yeux supplémentaires? On nous a pas enseigné ça en biologie. Cette fois-ci, Lily a eu moins de chance. Elle n'a qu'un Twix, mais il est aussi délicieux que les autres. Waouh, Lily, tu t'es jetée sur la barre chocolatée, toi. As-tu faim? Oh, on dirait que Phoebe a été touchée, ou plutôt emballée par Lily. Oh, j'ai une idée sur comment manger mon Twix. Je peux le découper en petits morceaux avec ma nouvelle tronçonneuse. Mon père me l'a offert pour mon anniversaire, c'est cool, non? Super, je vais pouvoir manger mon Twix pendant très longtemps. Il ne reste qu'un tout petit peu, c'est fait. Oh, désolé. Il faut le manger rapidement avant que ça ne fonde. C'est délicieux. Pourquoi vous regardez comme ça? Allez, mangez! Pas de problème, j'ai eu 10 Twix. Ce sera mes chocolats préférés. Maintenant, débarrassons-nous des emballages superflus et commençons à dévorer ces délices sucrées. C'est bon! On se léchera les doigts. Mais... oh, j'ai une idée! Regardez, j'ai une petite bouteille de lait. Oh, désolée Phoebe, t'es encore touchée? Retire ta tête. Je vais dissoudre les barres de chocolat dans le lait pour obtenir du lait au goût de Twix. N'est-ce pas une super idée? Maintenant, j'ai du lait au chocolat et plein de barres. C'est le dîner parfait. C'est délicieux. Voilà. Voilà, j'ai fini. Phoebe, allez, tu es la suivante. Hourra, c'est à moi. Je vais déchirer tout l'emballage. Comme ça, ça ira plus vite. Super, maintenant j'ai une idée géniale. Pas de jeu, pas de nourriture. Mon père est un constructeur et je suis tout comme lui. Je l'ai souvent vu construire de très hauts bâtiments et je veux faire pareil. J'ai du Nutella et beaucoup de Twix. Waouh, c'est tellement haut. Je vais y arriver, regardez. C'est une vraie tour. Encore quelques Twix et ce sera prêt. Les filles, vous avez quelque chose en tête? Oh, et Phoebe, vous a-t-elle donné la permission? Oh, les gourmandes ont attaqué le bâtiment de Phoebe.
Voilà qu'il s'effondre. Et moi aussi, je tombe. Non, non, je ne veux pas tomber, ça fait mal. Je regardais, je suis un oiseau et... Oh non, je ne suis pas un oiseau, c'est effrayant. Oh, je suis déjà fatiguée. Oh, je vois le sol. Aïe! Lily, Emma, vous avez cassé mon bâtiment. Je suis tombée, mais le casque m'a protégée. Oh, c'est un mur entier de Springles. Et Emma a une toute petite puce. C'est triste, mais Emma, tu dois la manger très élégamment. Accorde-lui plus d'attention. Goûte toute la saveur. Pour la manger, il me faut une loupe et une petite pince. Il sera beaucoup plus facile de la manger. C'est une toute petite chips. Essayons. C'est délicieux. Phoebe, allez, continue. Hurrah, j'ai un petit paquet de Springles. Je vais le manger tout en entier. Mais d'abord, il faut l'ouvrir. C'est difficile à ouvrir, j'ai besoin d'un plan. Exactement, cette scie va m'aider à ouvrir l'emballage beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ouvert. Tout le monde est prêt pour une dégustation extrême? Allons-y. Je vais attraper tous les Pringles, aucun ne sera épargné. Hop! Et voilà, c'était le dernier. Je crois que je tombe. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec Phoebe, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. J'ai quand même 100 paquets complets, je vais m'en sortir rapidement. Qui sont bons ces chips? Je ne peux pas m'arrêter. Moins 2 paquets. Oh, désolée Phoebe. Et un autre. Que se passe-t-il si j'en prends 2? Oh, c'est génial. Oh non, elle va encore me toucher. Oh, le casque, c'est une super idée. La dernière fois, il a vraiment bien aidé Phoebe. Que se passe-t-il? Aïe, ma tête me fait mal. Emma, pourquoi Lily lance-t-elle des paquets? J'ai perdu connaissance plusieurs fois. J'ai une idée, il faut détruire ce mur. Allez, c'est parti. Oh non. Oh, je me suis fait quelques bosses. Les filles, je ne peux pas me lever. Je suis écrasée par les chips. Oh, les chips venaient dans ma bouche. Vous ne voulez pas que je vous mange? Oh, c'est dégoûtant. Du brocoli. Qui a pu inventer ça? Lily, tu as beaucoup de chance, toi. Tu n'en as eu qu'un tout petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a aucun goût. En fait, c'est même dégoûtant. Oh, je sais quoi faire. Je dois l'enterrer, ce petit. Oh, plutôt le planter. Ma grand-mère m'a appris. Maintenant, je vais faire pousser un bel arbre. J'espère qu'il portera de bons bonbons. Oh, Lily, tu es sur le point d'enterrer Emma et Phoebe. Tu devrais faire attention. Bon, d'accord. Regardons ce que tu vas faire pousser, là. Et combien de temps il faudra attendre? Longtemps? Les arbres mettent longtemps habituellement à pousser. Phoebe, allez, continue. Moi, honnêtement, je n'en ai pas très envie. Je n'aime pas le brocoli. Berk, il sent mauvais en plus. Il me faut quelque chose de délicieux à boire, vite. What? Oh, de l'eau. Bien sûr, j'ai oublié qu'il fallait arroser la graine pour que l'arbre pousse. Je suis si bête. Tout va bien maintenant. Il suffit juste d'attendre encore un peu. Oh non, mais que se passe-t-il? Que faire, les filles? J'ai peur. C'est du brocoli. Où sont les friandises? Je ne peux pas manger du brocoli, moi. Oh, mais ça a l'air cool. Quoi? Il faut le manger? Oh, c'est dégoûtant. Oh, j'en ai la nausée. Allez, à toi maintenant. Bon, allez. Peu importe, je vais penser à quelque chose. Regardez là-bas. Oui, oui, regardez mieux. J'ai vu une licorne là-bas. Quoi? Emma, tu triches. On va apprendre à Emma. Allez, lance. J'attrape tout. Et aussi du brocoli, je l'attrape aussi. Les filles, j'ai tout mangé, c'était vraiment délicieux. Emma, une petite surprise pour toi. Tu as laissé échapper un peu de brocoli ici. Tu en veux? Oh non, du brocoli qui pue. Hello. Alors, classe, votre fils qu'on vient de voir, c'est le robot. Celui que je dessine le mieux l'obtient. J'adore. Bonne chance, c'est parti. Ouais, je vais commencer. Et je vais commencer par le violet en plus. Maintenant, je vais rapidement éclater ce beau petit bonhomme avec des ballons. Oh, super, je suis un vrai artiste. Oh, j'ai presque oublié les yeux. Oh, je pense que c'est fait. Ouais, j'ai bien réussi.
Il ne reste plus qu'à le coller. Yes! Quoi? Non, mais mon travail n'est rien comparé au travail de Chris. Ah, je sais ce qu'il faut faire. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah ouais? Voilà, prends ça. Ne le touche pas, rends-le-moi. Non, mais arrête. Oh non. N'importe quoi, ça. Et regardez ce qu'il y a sur mon téléphone. Let's go. Et voilà, c'est le robot qui me convient. Maintenant, je vais le dessiner. Ok. Voilà, c'est fait. C'est parfait, ça. Les gars, voilà, on n'a plus le temps et c'est tout. Montrez-moi votre travail. Hey. Bonjour, on nous appelle. Voilà. Oh, c'est le robot. Ouais, c'est horrible de regarder. Alors, Chris, montre. Je n'ai rien. Oh, oui. Britney. Vous aimez bien ça? Pas mal. Yes. Oui, c'est Britney qui a gagné. Ce robot est à toi. Wow! Regardez, les gars. Oui, il danse. Voilà, on fait ensemble. Et votre nouveau devoir, c'est le beignet. Alors, c'est parti. Come on! Oh, j'ai tellement faim. Il faut que je gagne. Je vais faire un beignet au scotch. Oh, il est tellement collant. D'abord, je vais faire un cercle. Je suis tellement géniale. Et ensuite, je vais ajouter des paillettes de couleur. Et plus il y en a, mieux c'est. Oh, est-ce que c'est compris que c'est un beignet? Oh, je suis vraiment géniale. Oh non, je sais ce que je vais faire. J'ai une super idée. J'ai besoin des instruments. Tout d'abord, je vais commencer par ça. Alors, voyons voir. Tout est clair. Et maintenant, je vais prendre ça. Et je vais faire un cercle parfait. Oui! Et voilà. Je vais mettre du scotch. Ça va être parfait. Oui, je vais mettre beaucoup de couleurs. Ah, t'as vu? Vas-y, réfléchis, Max. Oh, voilà, j'ai une super idée. Je vais tout mettre directement sur le scotch. Et c'est un mini beignet, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Regardez comment je peux faire. Oh, les gars, vous n'avez plus de temps. Montrez-moi vos travaux. Britney, tu commences. Et voilà. C'est mignon. Mamma mia, pourquoi c'est si tordu? Non, j'ai fait des efforts. Maintenant, Max, regardez, c'est bon, ça. Alors, mais le travail de Chris, c'est mieux que tout. Voilà, félicitations pour la victoire. Oui, génial. J'aime beaucoup ce beignet. J'en bave déjà. Et moi aussi. Je vais couper le morceau. Oh, wow. J'adore. Il y a la force fraise. C'est génial tout ça. Je ne peux pas m'arrêter. Oh, t'es tellement radine. Et voilà le nouveau prix en dalmatien. Oh, il est tellement mignon, lui. C'est parti, vous pouvez commencer. Oh, Rio. Oh non, mais qui a décidé de le faire? Un moment, ça va être fait. Oh non, c'était vraiment dur. D'accord, je vais essayer. Et je peux manger tout ça. Wow, c'est super bon. Non, mais tu vas tout manger. D'accord. Oh, je sais ce que je vais faire. Je sais comment dessiner. Je vais séparer la farce et les biscuits. Comme ça. Maintenant, je sais comment je vais faire. Je vais dessiner avec la farce. Oh, oui. Et avec le biscuit, je vais faire des taches de dalmatien. Comme ça. Oh non, des miettes dans mes yeux. Attention. Max, t'aimes bien? Waouh. Oh, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais utiliser le manteau. Voilà, j'ai ermité les Oreos. Et je vais faire un museau. Voilà. Maintenant, j'ai enlevé tout le surplus. Ça va être très beau. Regardez. Ouais, c'est cool. Max, on n'a plus le temps. Non, mais tu vas faire quelque chose ou pas? J'ai une super idée. Et j'ai besoin d'une aiguille. Alors, on peut. C'est presque prêt.
Non, mais n'importe quoi. Ready? Oh, j'ai réussi. Oh. Vous n'avez plus de temps? J'attends vos travaux. Okay. Voilà mon dalmatien. C'est pas mal, mais ça pouvait être mieux. Et voilà mon petit chien. Oh. Oui, parfait, Chris. Yes. J'étais la meilleure. Oh, moi aussi, j'en descends. Wow, bravo. Dalmatien est pour toi. Merci beaucoup. J'ai adoré. Non, mais c'est à moi. Oh, t'inquiète pas. Et voilà le prochain prix. C'est la couronne. Alors, qui dessine le mieux? Laura. Wow, une couronne. C'est tout? Alors, dépêchez-vous, c'est parti. Oh, Chris, t'inquiète pas. Cette couronne va être moi. C'est tellement chaud. Et je vais dessiner sur le bois. Oh, comme c'est cool! Quoi? Non, mais c'est tellement cool! Quoique... Oh, c'est un avion! Oh, j'aimerais bien l'avoir! Non, j'ai besoin de la couronne! Oui, génial, Max! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non! J'ai plus de couronne! Oh, il n'y a plus de temps presque! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, j'ai tellement envie de gagner! Max, aide-moi! Ok. Oui, un moment. Dessiner une couronne, pas de problème. Wow! Non, mais t'as appris où le dessin? T'aimes beaucoup? Oui, merci, t'es mon héros! Stop! Les gars, stop! Vous n'avez plus le temps. Alors, qu'est-ce que vous avez, Brittany? Voilà. Non, mais c'est pas très bien. Ouais, cool, mais... C'est pas du tout une couronne, en fait. Ouais, allez. Chris, qu'est-ce que t'as? Tada! Vous aimez bien? Bravo, bravo, c'est parfait. T'as gagné et tu reçois cette couronne. Oh oui, j'en ai rêvé depuis longtemps. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mes fans. Ah ouais, c'est hilarant. Messieurs, mesdames.